Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va reparler des batteries. Et oui, je vous avais fait une vidéo il y a maintenant 2 semaines sur les mythes autour des batteries. Vidéo qui vous a d'ailleurs pas mal intéressé mais qui a dû créer une certaine phobie chez beaucoup d'entre vous. À vous dire que de toute façon, votre batterie elle est destinée à se faire détruire au bout de quelques années et que rien n'est possible pour améliorer votre temps d'utilisation. Pourtant, il y a quand même pas mal d'astuces ici et là pour rendre ce temps plus long et donc de pouvoir profiter bien plus longtemps de Fortnite, son petit jouet de poche. Alors ici, je vais pas vous donner des astuces que je trouve totalement inutiles. Par exemple, on m'a beaucoup parlé du mode avion dans la première vidéo. Et effectivement, la batterie descendra moins vite lorsque vous êtes en mode avion. Mais à côté de ça, bah vous devenez seul au monde. Plus de wifi, plus de bluetooth, plus de données mobiles, etc, etc. Bref, si vous voulez plus de détails, je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet qui apparaît juste là. Mais bon, bah je trouve pas l'astuce pertinente vu qu'on ne peut plus faire grand chose sur son téléphone. Oui, ok, on peut l'utiliser hors ligne mais c'est tout, et donc ça devient impossible de lancer TikTok, ce que je trouve intolérable. À ce titre là, autant vous donner l'astuce de laisser votre téléphone éteint vu que bah, la batterie descendra bien moins vite que s'il est allumé. Qui va oser me dire que j'ai tort? On va pas non plus parler des modes qui font que votre batterie tiendra plus longtemps, qui sont assez évidents. Car effectivement Sherlock, le mode économie d'énergie économise de l'énergie, bravo à toi, n'hésite pas à récupérer ton diplôme qui sera affiché à la fin de la vidéo pour pouvoir l'imprimer et l'afficher fièrement au dessus de tes toilettes. Bref, maintenant que j'ai posé les bases, on va parler de ces astuces qui changent vraiment le temps d'utilisation sans amputer l'expérience. La gestion des autorisations. On va parler ici de quelque chose que très peu de monde fait, gérer les permissions de chaque application. En effet, depuis Android 6, il est possible de gérer chaque petite demande de telle ou telle appli, sachant que ce système a été de plus en plus poussé au fil des versions, au point qu'aujourd'hui, l'application ne demandera l'autorisation qu'au moment où il en aura besoin, et pas lors de l'installation comme ça se faisait très souvent avant. Alors je vous dis pas de devenir parano non plus, mais parfois certaines applications vont vous demander des autorisations sans raison. Que ce soit pour des choses pas très morales comme revendre des données personnelles dont ils n'auraient pas les droits, ou tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils pourraient en avoir besoin plus tard, et donc de ne pas le redemander à ce moment-là. Sauf que le truc, c'est que ça serait si chaque application était optimisée, et d'utiliser cet accès uniquement quand c'est réellement nécessaire. Sauf que bah, c'est pas le cas, hein. Énormément d'applications vont parfois faire un petit check dans votre album si elles en ont l'autorisation. Peut-être pour actualiser une donnée avant votre prochain passage dans cette dernière, voire votre capteur GPS qui va être mis à mal ici et là. Ah, et si vous avez un téléphone de la marque à la pomme, bah déjà, je vous souhaite de réussir à trouver le chemin vers la rédemption un jour, mais normalement ça fonctionne à peu près de la même façon. Et vous pourrez choisir ce que vous voulez autoriser ou non sur chaque application. La couleur noire sur les écrans OLED. Et oui, être un Dark Sasuke IRL va enfin vous servir, en tout cas si vous possédez une dalle de cette technologie, qui commence quand même à être pas mal fréquente. Alors celui-là est plutôt connu, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à le rappeler. En effet, si vous vous rappelez des vidéos où je parle des écrans OLED, vous comprendrez très vite pourquoi. Sinon, je vais quand même vous expliquer, hein. Ouais, je sais, je suis un mec sympa, on peut le dire. En fait, le fond d'écran noir va faire en sorte que les pixels qu'il affiche vont être éteints. Voilà, tout simplement. Et qui dit pixel éteint, dit pixel qui consomme pas ou très peu de batterie. Et donc, bah, ça va inévitablement améliorer sa durée de vie. Donc concrètement, si vous mettez l'image que vous voyez maintenant en fond d'écran, eh bien ça fonctionnera directement, mais on peut aller encore un petit peu plus loin. En effet, le mode sombre ou nuit, hein, ça dépend de comment l'application l'a appelé, va aussi permettre d'avoir des teintes de noir qui remplacent la couleur blanche qu'on voit malheureusement trop souvent. Et donc parfois elle va aussi éteindre l'écran à certains endroits pour montrer ce noir, ce qui fait que ça consommera tout simplement moins. D'ailleurs, il y a eu plein de bonnes choses sur les modes sombres ces derniers temps. Je me tâte à vous faire une vidéo, mais je sais pas si ça vous intéresserait tant que ça de savoir à quoi sert réellement ce mode et s'il sert vraiment à quelque chose finalement. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. D'ailleurs, pour mesurer un petit peu la température, j'ai mis un petit sondage en haut à droite pour savoir si vous utilisez plutôt le mode nuit ou le mode jour, et ça se passe ici. Les applications light. Vous êtes un fada des réseaux sociaux et vous ne pouvez pas vous en passer, ce qui fait que 80% de votre batterie part là-dedans. Eh bien, il existe aussi une solution intéressante pour vous. Que ce soit Twitter, YouTube, Facebook et autres, tous possèdent une application light, autrement dit allégée, qui vont permettre de faire l'essentiel de chaque application. Autrement dit, voir le flux d'actualité des personnes qu'on aime et qu'on déteste tout en stalkant ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Bah oui, hein, c'est un petit peu le but des réseaux. Évidemment, il y a quelques contreparties à ces applications plus légères qui bouffent moins de ressources. Si on prend le cas de Messenger, vous pouvez dire au revoir aux petites bulles de texte qui apparaissent ici et là et qui permettent d'avoir la superposition des messages avec vos amis sur d'autres applications. Finalement, si on prend ça de manière plus générale, on garde ce qui fait fonctionner l'app mais on enlève pas mal de confort. Mais honnêtement, votre batterie vous dira merci et pas qu'elle. En effet, certaines applications de ce style bouffent énormément de performance pour faire tourner tout ce dont elles ont besoin. Et ça même en arrière-plan, comme Messenger qui a eu un énorme tollé il y a quelques temps de ça à cause de cette baisse de performance dès que l'application était installée. On parlait ici de plus
plus de 20% de baisse, c'est énorme. C'est certes pas le sujet, mais si en plus d'améliorer la batterie, vous améliorez les performances de votre vieux téléphone, bah ça peut être un bonus sympa, même si souvent ça va de pair. Pour celles que je connais et que je peux vous citer, on les trouve toutes directement sur le Play Store, ou alors sur l'App Store j'imagine. Il suffit juste de chercher le nom de l'application en question, suivi de Lite, et ça devrait pas trop poser de problème, mis à part le temps de s'y habituer. La gestion des applications. On a parlé des autorisations des applications tout à l'heure, mais si remonter à la racine pour éradiquer le problème? Vous le connaissez hein, ce fameux débat, faut-il tuer ces applications après leur utilisation pour éviter qu'elles fonctionnent en arrière-plan? Bah en fait, pas trop, ou en tout cas pas vous directement. On peut être tenté hein, de terminer toutes les tâches du téléphone en les glissant une par une vers l'extérieur dans le menu des applications actives. Car oui, c'est vrai qu'elles peuvent continuer à faire quelque chose en arrière-plan et donc de consommer de la batterie. Sauf que le truc, c'est que c'est bien plus négligeable que de redémarrer totalement l'application, car si ça de fond est détruite, c'est que vous serez obligé de le faire. Mais pourquoi je dis pas toujours? Eh bien parce que vous pouvez laisser votre téléphone gérer les applications et de choisir si elles doivent rester en arrière-plan ou non par rapport à la charge actuelle du téléphone. Alors certes, ici ça va vraiment dépendre du smartphone que vous avez, vu que c'est logiciel et donc c'est la surcouche qui va permettre d'optimiser cette économie. On peut par exemple prendre celle de Huawei qui est très violente à ce niveau-là, mais qui pose un autre problème quand une application n'est plus en arrière-plan. Car oui, qui dit application plus en arrière-plan dit application qui ne fonctionnera pas non plus en arrière-plan, c'est assez logique. Le cas le plus concret que vous pouvez comprendre facilement est celui du lecteur de musique, que ce soit Spotify, Deezer ou même Tidal, hein. Je veux pas vous juger même si bon j'en ai fortement envie. Si l'application n'est plus en arrière-plan, eh bien si vous avez l'habitude de reprendre la musique avec votre magnifique casque Bluetooth, vous ne pourrez plus le faire vu que le contact avec l'application a été rompu. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est désactiver voire supprimer les applications qui sont installées par défaut sur le téléphone, que ce soit par le constructeur ou l'opérateur, car il y a pas mal de chances que ces applications consomment pas mal de votre batterie en arrière-plan, que ce soit au démarrage ou après, tout ça pour des applications que vous ne lancerez sûrement jamais. Et je précise désactiver ou supprimer car malheureusement on nous laisse pas souvent le choix et donc il faudra les garder sur son téléphone tout de même, à moins d'être routé bien évidemment. La luminosité. Assez connu aussi ici, je pense que c'est bien d'en parler tout de même plus en détail car finalement c'est une des composantes qui bouffera toujours le plus de batterie. La grande différence entre votre Game Boy Advance de l'époque et votre téléphone, c'est que vous n'êtes pas en galère H24 pour lire ce qu'il se passe dessus, et ça grâce à une chose, le rétroéclairage. Ce dernier va donc, comme son nom l'indique, éclairer votre écran, et l'avantage de celui sur le téléphone, c'est qu'il est réglable, et c'est ça qui est important. Plus il sera fort, plus il consommera de batterie, CQFD. Bon, sauf pour la AMOLED où ce n'est pas vraiment du rétroéclairage mais ça reste valable. Moins de luminosité, moins de consommation. Donc quand il vous reste très peu de batterie pour finir votre journée, ayez le réflexe de mettre la luminosité la plus basse possible. Et d'ailleurs de désactiver la luminosité automatique, car oui, il y a aussi un capteur pour ça. Et donc, encore une fois, lui, il fonctionne pas non plus à la magie, mais bien grâce à votre batterie. Finalement, c'est comme n'importe quelle chose qui tourne en arrière-plan, car cet ajustement automatique fonctionne forcément grâce à un logiciel qui prendra en compte le fameux capteur, ce qui va consommer inévitablement de la batterie, encore une fois, même si oui, ça reste extrêmement minime. Pour finir sur certains détails qui ne rentreraient pas sur une partie de la vidéo, on peut parler des applications qui vont aider à la gestion de la batterie, comme Greenify qui va mettre en hibernation les applications inutilisées. Faites tout de même attention à quel gestionnaire vous faites confiance, hein. Car parfois certains vous promettent monts et merveilles alors que bah c'est juste des bons gros bloatware des familles, hein, on pense bien évidemment à ce bon vieux CleanMaster. Et enfin le dernier point qui peut être intéressant si la couverture réseau de là où vous habitez n'est pas folle, eh bien c'est d'éviter d'utiliser un maximum les données mobiles au profit du Wi-Fi. Car votre téléphone va devoir émettre plus fort pour compenser la mauvaise qualité du signal. Je pense que vous avez pu le remarquer lorsque vous êtes trois quarts du temps en Edge lors du chemin vers la maison de mamie pour le repas de Noël, et que du coup bah, votre batterie fond comme neige, et bien là c'est exactement pareil. Donc ouais, à part partir de votre campagne natale où le réseau mobile est quelque chose de nouveau, et bien va falloir éviter d'utiliser la 4G lorsque vous êtes pas trop sûr qu'elle fonctionne correctement. Et vous alors, est-ce que vous avez d'autres astuces que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo? Et bien n'hésitez pas à les dire dans les commentaires en dessous. Je suis bien conscient qu'il y en a bien plus que ça, mais j'ai préféré rester sur des astuces qui peuvent aider tout le monde. Car beaucoup deviennent rapidement spécifiques et donc limitées, un peu comme celles sur les écrans OLED de la vidéo finalement. Je n'ai pas aussi pris des astuces qui sont ultra contraignantes, comme ce fameux mode avion dont j'ai parlé au début. Car si on prend mes conseils en compte, faudra aussi désactiver tout ce qui est Face ID, tout ce qui est Face Unlock et j'en passe pour optimiser sa batterie. Mais là, on arrive quand même à enlever beaucoup de points dans le confort utilisateur. Donc pas sûr que ce soit si bien que ça à faire au final. Et puis bon, si c'est trop compliqué,
compliqué pour vous de gérer tout de même votre batterie de téléphone, pas de panique, vous pouvez toujours vous trimballer des batteries externes avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur Twitter et Instagram. Comme ça, vous verrez mes magnifiques passages télé où je suis en tongs pieds nus. Si ça, c'est pas incroyable. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui n'arrêtent pas de se plaindre de ne plus avoir de batterie à 14h. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !